Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des tutos sur Open Computer. Vous étiez nombreux à apprécier la toute première vidéo, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va passer un petit peu, enfin on va passer à l'étape au-dessus, on va voir d'autres petites choses. Au dernier épisode, enfin au premier épisode plutôt, on avait vu comment faire un ordinateur. Maintenant cet ordinateur là ce serait bien de pouvoir s'en servir, d'en faire quelque chose. Mais avant de pouvoir s'en servir, il va falloir quand même commencer par apprendre les bases. Parce qu'un ordinateur sans programme, ça sert pas à grand chose à part le démarrer. Et pour ça je j'ai refait un petit ordinateur, c'est exactement le même que celui qu'on avait fait, euh, rien n'a changé, j'ai juste repris les composants qu'il y avait dans celui-là. Et pour les bases, alors moi je vous conseille d'utiliser, si vous pouvez, enfin normalement vous pouvez, d'utiliser des logiciels qui sont très pratiques, qui sont très 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 pratiques, pour justement préparer votre code, bon quand c'est un petit code, vous pouvez le faire directement comme on va faire aujourd'hui, on peut faire le code directement euh, dans le terminal, mais si vous avez des gros codes à faire, il y a des, bien sûr, il y a deux choses que moi je me sers régulièrement. Le premier, ça va être Notepad. L'avantage de Notepad, c'est que votre code, il va être surligné. Ça, c'est le code de mon réacteur de Ragnarmod, le réacteur à fusion qui tourne actuellement. C'est son code. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des couleurs. là on peut voir qu'on a une des couleurs bleues, on a des couleurs vertes et on a des couleurs. Ça permet d'avoir justement ce code couleur qui permet pas mal de choses. Par exemple, le code couleur vert indique tout simplement que c'est une notation. C'est-à-dire que ça c'est pas pris en compte dans le code. Ça permet de rajouter des annotations. Ça permet de rajouter des descriptions. Comme par exemple ici, j'ai rajouté que je fais la lecture des infos du réacteur. C'est très pratique. Ça vous permet vraiment de rajouter quand vous faites des grands codes comme celui-là. Ça vous permet vraiment de rajouter des petits détails comme ça qui permettent de ne bah, pas vous perdre dans votre code, surtout si vous débutez. Euh, c'est très pratique euh, Le deuxième avantage c'est que bah, si vous faites une erreur, vous oubliez quelque chose bah, Quand vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, euh, vous vous en apercevez Comme par exemple, ici euh, j'ai un texte qui est indiqué Bon là j'indique que je veux imprimer un texte dans le, sur l'écran Et ce texte il est, pris, il est compris entre, entre des guillemets Si je supprime une guillemette parce que j'ai oublié de la mettre admettons On peut voir que le code il passe en noir parce qu'il ne sait pas ce que c'est il sait pas du tout ce que c'est, c'est quelque chose que je crée. Tandis que si je referme la guillemet, là il sait que c'est du texte. Donc comme il sait que c'est du texte, il le met dans une couleur un peu grise comme ça. Si je supprime une parenthèse, là on peut voir qu'il y a une bande rouge qui vient de se mettre. Parce que là il comprend pas. Enfin du moins, pour lui, le code il démarre ici, cette ligne-là indique le début et la fin du code. Et comme il manque une parenthèse, bah, la fin il la trouve pas. En fait, il la cherche, il la cherche, il la cherche, et vous pouvez voir qu'il bah, ne la trouve pas. Donc euh, ça, ça permet vraiment de... D'avoir des énormes avantages à ce niveau-là, ça permet vraiment bah, d'avoir de, des points de repère quand vous faites votre code. Alors pour créer une. Le mettre du moins dans ce langage-là, c'est très simple. Vous allez dans Fichier, vous créez un nouveau document. Et quand vous avez créé votre nouveau document, euh, vous allez tout simplement dans le langage ici et vous cherchez le L et vous le mettez en LUA. Quand vous le mettez en LUA, vous avez une petite colonne qui se met ici, c'est. Ce sont les lignes qui se mettent là, et si je tape du code, admettons, vous pouvez voir que on a des lignes qui sont affichées, les numéros de lignes. On a ici la boucle parce que ça c'est une boucle de fonction. Euh, et comme là j'ai mis la fin de la boucle qui est là, on peut voir la boucle qui est ici. Je peux avancer, on peut voir que la boucle suit. Tout ce qui se passera ici jusque là, c'est un code complet, tout simplement. On en reparlera plus tard de tout ça. La deuxième chose qui va être très pratique pour vous, ça, ça va être pastebin.com. C'est un site internet qui permet de stocker au format de base, au format texte ou au format LUA, un code. Comme là par exemple, on peut voir ici, ça, c'est mon code de, de, de groupe de diesel sur Ragnamod. Euh, J'ai quatre groupes diesel de sécurité pour l'énergie. Ça, c'est le code du groupe diesel. Le gros avantage de PasteBin, c'est que grâce à Open Computer, vous pouvez déposer un PasteBin sur Internet récupérer son code qui est là, ici, là, on peut voir, là, ici, il y a le petit code, ça, ce sont les numéros que vous avez quand vous déposez un paste-bin, et vous pouvez l'importer soit dans votre notepad ou soit vous faites comme moi vous vous créez un compte, c'est gratuit, c'est totalement gratuit, vous vous créez un compte et vous pouvez stocker vos pastebin, vos codes dessus, ce qui va vous permettre bah, de les réutiliser pour une éventuelle euh, un autre serveur, un autre modpack ou les redistribuer à d'autres personnes enfin bref, euh, à vous de voir ce que vous voulez faire, vous pouvez les rendre publics, vous pouvez les rendre privés, les miens sont entièrement publics, donc si vous voulez aller les chercher, vous pouvez aller les chercher ils sont entièrement publics et vous permet de tout simplement faire ce que vous voulez avec c'est très pratique parce qu'après vous pouvez les récupérer c'est à dire que si vous mettez sur paste bin alors vous avez bah pour faire un pastebin bin c'est très simple il vous suffit de créer un nouveau euh, paste bin en cliquant sur ce petit bouton là new past ensuite vous créez votre code alors votre code vous pouvez lui donner une syntaxe un peu comme notre pad ici là il n'y en a pas on, peut, on va lui mettre une syntaxe on va lui mettre du lua alors euh, on va rechercher lua voilà, et après bah, vous pouvez taper votre code. Admettons, euh, voilà, mon code est créé. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est rien du tout. C'est un tout petit code de rien du tout. Créer new, euh, le new past. Une fois j'ai créé ce new past, il est là. On peut voir là, il y a juste une ligne de code. Et ici, vous avez votre, euh, votre identifiant de code qui est là. Et cet identifiant là ne changera jamais, ce sera toujours le même. Cet identifiant là vous permettra de le récupérer directement, de l'importer dans Open. Computer. Maintenant, on va parler d'Open Computer et des bases du code en général dans Open Computer. Open Computer, il a des fonctionnalités qui sont les bases du code. Hein, et ça, c'est dans tout ordinateur. Et d'abord, on va déjà commencer par les commandes de base. Lorsque vous démarrez votre ordinateur, on va le redémarrer pour vous montrer. Lorsque vous démarrez votre ordinateur, vous avez votre système d'exploitation qui charge. Et vous vous retrouvez sur le « slash home ». Hashtag ça c'est euh, le dossier, c'est votre dossier home, c'est comme qui dirait votre dossier documents. C'est là où c'est que vous stockez vos documents. Dans ce dossier-là, vous pouvez y mettre tous vos programmes. C'est très bien pour les programmes de base. Il n'y a généralement pas besoin de faire plus. Et pour les lister, il vous suffit de taper la commande ls. La commande ls vous permet de lister ce y a, tout ce qu'il y a dans le répertoire. Vous pouvez voir que le répertoire, il est vide. C'est normal, on n'a rien créé. On va pouvoir créer un document. Enfin, un document. On va pouvoir créer un programme. Pour créer un programme, la commande, elle est simple. Il vous suffit de taper edit. Vous tapez le nom de votre programme, ce que vous voulez. Admettons, nous, on va marquer test. Et important, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé de mettre une extension à la fin. L'extension uti utilisée en temps normal pour l'UA, c'est LUA. Par la suite, on verra qu'on peut créer d'autres fichiers qui pourront être des fichiers de configuration, des fichiers texte, où c'est qu'on pourra aller chercher des informations pour faire tourner un programme. Ça, on verra ça bien plus tard après vous appuyez sur entrée les touches du clavier pour l'utilisation une fois que vous êtes dans ce mode là où là vous êtes dans le mode éditeur c'est là que vous allez créer votre programme c'est là que vous allez euh, que tout commence vous avez des, com des commandes de raccourcis la première commande de raccourci ça va être la commande de copier coller dans le normal quand vous faites un copier coller dans windows vous pouvez utiliser votre souris clic droit copier ou faire un CTRL-C pour copier ctrl v pour Coller. Là, ça ne fonctionne pas parce que quand vous faites un contrôle, vous rentrez dans les commandes de l'ordinateur. Donc vous ne pouvez pas copier sur Open Computer, mais vous pouvez coller. C'est-à-dire que si, admettons, je veux copier mon fameux print hello qu'on a mis tout à l'heure sur Pastebin, je... Mets en place là aussi. Je veux le mettre. Admettons, je le mette sur la première ligne et j'appuie sur ma touche Insert. La touche Insert qui est située au-dessus de votre pavé de flèches, entre votre pavé numérique et votre clavier. Vous avez la touche Insert, sup, début, fin, enfin bref. Cette touche-là, elle permet de faire un coller. Et vous pouvez coller une ligne, vous pouvez coller une chaîne de caractères, vous pouvez coller tout un texte. Vous êtes limité à 255 lignes à chaque fois. C'est le maximum qui peut importer. Une fois que vous avez fait votre programme, il va falloir l'enregistrer ce programme là. Et en bas, vous pouvez voir que quand j'ai tapé mon programme, j'ai euh, des commandes qui se sont affichées. Ctrl plus S, CTRL plus W, CTRL plus F. CTRL plus S ça va être pour sauvegarder le document. Voilà, on peut voir que là c'est écrit written, ça veut dire qu'il a été enregistré. Et CTRL W, ça va être pour quitter le mode éditeur. Et on se retrouve sur notre slash home. Maintenant, si je tape LS, on peut voir que notre petit programme, il est là. Pour exécuter le programme, rien de plus facile. Il suffit de taper son nom. Il n'y a pas besoin d'écrire l'extension derrière. Vous pouvez la mettre. Mais vous pouvez voir que là, je tape le programme. Ça m'affiche hello. On peut taper l'extension sans problème. Ça ne changera rien du tout. Ça marche aussi. Dernière petite commande. Enfin, les deux dernières petites commandes qu'on va utiliser assez couramment et puis une autre moins couramment, mais qui peut être pratique. Admettons que là je veux faire du propre sur mon terminal parce qu'il y a plein de choses décrites. Et bien, je vais taper simplement la petite commande cls. cls va tout simplement m'effacer mon écran pour que ça soit tout clair. Et une autre commande qui va nous servir, bon, il y a plein d'autres commandes qui nous serviront par la suite, mais pour le moment on n'en a pas besoin. Une autre commande qui va nous servir qui va être la commande component. Cette fameuse commande là elle va être très importante. Ça parce que c'est elle qui va nous donner tous les éléments de notre ordinateur. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que en gros, actuellement, sur mon ordinateur, j'ai quoi Sur mon ordinateur, j'ai une alimentation. L'alimentation, le cube d'énergie de mécanisme. J'ai un ordinateur, un écran, un clavier. Et j'ai mes composants CPU, disque dur, mémoire, carte graphique. Lorsque je vais à l'intérieur, que j'ai tapé « Components », j'ai l'écran, j'ai l'ordinateur. Alors « EPROM », ça c'est l'EPROM, le, 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 le BIOS. Le Field System c'est le disque dur, GPU bah, c'est l'écran, euh, la carte graphique, Keyboard c'est le clavier, ça veut dire que je peux faire appel à tous ces composants là pour, euh, si j'en ai besoin, admettons pour le GPU, le screen ne peut pas être appelé, enfin il peut pas être appelé. On ne l'appellera pas le screen parce que c'est par logique, comme il n'y en a qu'un de connecté, par logique il n'y a pas besoin de l'appeler. La commande screen sera uniquement utile à partir du moment où c'est qu'on mettra plusieurs écrans. Là, comme on n'en a qu'un seul, ça ne sert à rien. Lorsqu'on dit au GPU d'afficher quelque chose, le GPU sait automatiquement qu'il doit l'afficher sur le seul écran qui existe. Donc quand on appelle, fait une commande d'affichage, on la fera par le GPU. Le clavier c'est la même chose, le clavier, il n'y en a qu'un seul, on ne fera jamais appel à lui. La seule chose qu'on fera appel, c'est aux commandes qui vont être rentrées. Donc on n'a pas besoin de le définir, il existe, il est là, il est présent. Les proms, on n'en aura pas besoin, ça c'est sûr. Dans tous les programmes qu'on fera, on n'en aura pas besoin. Euh, ce qui va être important, ça va être les objets qu'on va rajouter après. Ça, ce sont des composants de base, ce sait pas les composants qu'on aura le plus besoin. Un exemple tout bête, on va faire un exemple aujourd'hui. On va partir sur une carte de redstone. Vous pouvez voir que là, j'ai une carte de redstone. Cette carte de Redstone, je vais la mettre à l'intérieur. Maintenant, si je retape la même commande, vous pouvez voir que maintenant, j'ai une carte de Redstone en plus, que je n'avais pas juste avant. Euh, grâce à ça, on va pouvoir donner des fonctionnalités à notre ordinateur. Maintenant, notre ordinateur, il devient interactif avec, avec le monde extérieur. Alors pour ça... Bah, pas très compliqué au final, euh, on va faire un petit truc sympathique. Vous allez voir ce qu'on va faire c'est que on va mettre un fil de redstone ici avec une lampe et on va la faire s'allumer. Cette lampe là, on a envie de l'allumer. Et pour ça, bah, pour faire des tests, on va passer en mode LUA. Le mode LUA, c'est quoi Le mode LUA, c'est une. Pour faire nos tests en programme LUA. C'est-à-dire, il suffit de taper LUA. Et là, on arrive, on entre dans un mode LUA. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'on va taper là, ce sont des codes LUA. Si maintenant je tapais, par exemple, une Componente, on peut voir que ça ne me donne rien du tout parce qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas du LUA. Composante, ça ne fait pas partie du LUA. Il ne connaît pas. Il ne connaît plus que le code LUA. Et le code LUA, c'est un exemple. Ça, c'est du code LUA. On peut voir que je lui ai demandé de d'afficher de, Hello. Il a affiché Hello. Enfin d'écrire Hello. Il a écrit Hello. Et grâce à ça, on va pouvoir aller chercher notre petit bloc. Enfin notre petite carte de Redstone. La carte de Redstone pour aller la chercher, bah, c'est pas très compliqué. Il va falloir lui donner ce qu'on appelle une variable. Un code LUA va se composer en trois étapes. La première étape de votre code, c'est là où c'est que vous allez donner les variables de ce que vous allez avoir besoin, du matériel que vous allez avoir besoin. Dans notre code là présent, enfin dans notre essai, la seule variable qu'on va avoir besoin, c'est la variable du, de la carte de redstone. Sachant qu'il y a des variables qui sont d'office utilisables. Comme par exemple, euh, avant... Ça a changé depuis les dernières mises à jour. Il y a beaucoup de choses qui ont changé qui sont d'office intégrées. Comme par exemple, pour pouvoir faire un calcul de maths, avant, il fallait faire appel aux maths. Maintenant, c'est plus forcément nécessaire. Ça va dépendre éventuellement de la complexité, mais c'est plus forcément nécessaire. Les sides, les sides c'est les côtés. Pour afficher, par exemple, ici, on est sur le côté est. Si je me mets en F3 et je regarde par là, je regarde dans la direction est. Et ici, on est sur le côté est. Avant, il fallait faire appel à ce qu'on appelle le, le, les la variable des euh, côtés. Maintenant, on n'a plus besoin. Ça, ce sont des variables qu'on n'a plus besoin elles sont d'office intégrées. C'est pas plus mal ça facilite énormément le code. Donc, en gros, ce qu'on va faire, on va juste appeler notre carte de redstone. Et pour appeler notre carte de redstone, on va lui donner une variable. La variable, elle peut avoir n'importe quel nom, ce que vous voulez. Vraiment ce que vous voulez, mais moi par simplicité, je vais l'appeler RS. Pourquoi Parce que c'est une abréviation de Redstone. Et ce RS là, on va lui dire ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est Eh ben c'est un composant. C'est un composant, une composante donc sans S parce que ça en est qu'un seul. Et c'est le fameux, la fameuse carte de Redstone. Donc on va lui dire que c'est simplement de la Redstone. Entrée. Maintenant il sait ce que c'est que RS. Il sait que RS c'est le, la carte de Redstone. D'ailleurs, si maintenant je fais, j'appuie simplement sur le R et j'appuie sur Tab, sur, il va bien sûr me défiler toutes les commandes faisables, il me met le fameux RS. Point, qui veut dire maintenant qu'il est en attente de la commande. Et ce que je veux faire, moi, je veux lui envoyer un signal de 15 sur la sortie direction Est. Et pour ça, bah, je vais faire un set output et entre parenthèses, on va lui donner toutes ces informations là, c'est-à-dire le côté sides.east donc avec un s, côté est, virgule et maintenant on va lui donner la force du signal 15 entrée et vous pouvez voir que la lampe s'est allumée. L'avantage c'est qu'on peut configurer la sortie comme on veut. Alors euh on va faire le test, je vais vous montrer comme ça. J'ai mis 15 lampes de redstone, enfin 16 lampes de redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lampes pour notre petit exemple. Donc le 16ème ne sert à rien, on ne pourra pas lui donner un signal plus fort. On peut lui demander, mais il ne le donnera pas. Tiens, admettons, le maximum c'est 255. Voilà, je lui donne 255, mais il ne le donnera pas. Tout simplement parce que la redstone vania, elle est limitée à 15 maximum. Ça, si vous avez fait un peu de redstone, vous le savez. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est lui donner un signal de 7 ou de 5, par exemple. Si je lui donne un signal de 5, là, on peut voir qu'on n'a plus que 5 lampes qui sont allumées. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu. Mettons si je veux lui donner un petit code de 2. Voilà. On peut tout simplement lui mettre un code de 2. Et si je veux le mettre à 0, l'arrêter, je lui mets simplement le code de 0. Et il va s'arrêter. C'est bien beau tout ça. Parce que là, on a fait un joli test. Et moi, ce que je voudrais, c'est faire un petit code. Quelque chose de sympathique. Qui fait que... Bah, ça soit utile d'avoir l'ordinateur. Alors pour ça... On va faire un truc vraiment tout bête, tout basique, mais le basique c'est parfois le plus facile à comprendre. Et pour ça, ben, on va avoir... Euh, je vais rajouter un fil de ce côté-là, avec un bouton. Ici. Et ce que je voudrais, moi, c'est que quand j'appuie sur ce bouton, on va mettre un bouton en stone, comme ça on le verra, parce que là, on ne le voit pas. Donc, tac, voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est que quand j'appuie sur ce bouton, et eh ben. L'ordinateur allume. Le, les lampes qui sont derrière là on peut voir que si j'appuie sur le bouton ça fera rien du tout le courant ne passe pas au travers de l'ordinateur je tiens à le préciser quand même mais là si j'appuie dessus vous pouvez voir qu'il ne se passe absolument rien, et bien, moi ce que je voudrais c'est que quand j'appuie sur le bouton le signal s'allume d'un certain chiffre admettons on va dire 5 on va dire ça, donc pour ça on sait qu'on a besoin de notre RS7 ça on le sait et on sait aussi qu'on va avoir besoin de lui indiquer le composant. Donc pour ça, on va pouvoir justement reprendre notre petit bloc Notepad. C'est là que justement intervient Notepad. Et on va pouvoir déjà mettre en place tout ça. On va lui indiquer le RS, la variable de la redstone, enfin du de la carte de redstone. Et après, on sait qu'il va nous falloir le fameux RS7. De 5. On a dit de 5, voilà. On sait qu'on va avoir besoin de tout ça. Le problème, c'est que ça, bah, on ne fait rien du tout. Nous ce qu'on voudrait, ce serait récupérer le signal. On voudrait que quand on appuie sur ce bouton-là, ça s'allume derrière. Et pour ça, il va falloir récupérer le signal. Et cette commande-là, bah, cette commande-là, c'est quasiment la même que l'autre. La seule différence, c'est que là, on va pas set ou mais on va get input ». C'est-à-dire qu'on va aller chercher l'information. Et là, par contre, on va supprimer le 0 puisque on ne sait pas combien il est. Mais par contre, on va changer aussi le côté parce que là, on est à l'ouest. Donc, on va lui dire side west. Voilà, bon, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur de frappe. Donc, c'est pas bien grave. Voilà. Là, vous pouvez voir que le RS qui est un pull side west, il est à 0 C'est normal parce que quand il va chercher l'information du côté de l'ouest, bah, il est éteint. Alors, pour faire le test, on va prendre un levier. On va mettre le levier ici. Je vais activer le levier. Et on va retaper. Et vous pouvez voir que là, maintenant, on est à 15. On a un signal de 15. Donc, on sait que quand on va chercher l'information de RS, get un but side west, on sait qu'on peut récupérer l'information. Bon, le problème, c'est que maintenant, il va falloir assembler tout ça. Parce que là, pour le moment, on peut sortir l'information, on peut rentrer l'information. Et le code, comme on fait là, le code du A, sert juste à faire des tests. Maintenant, on va faire un petit programme. Ce serait quand même plus sympathique d'avoir un petit programme. Et pour faire un petit programme, on va sortir de là-dedans. Pour sortir de là-dedans, c'est la touche CTRL plus D. Et vous vous retrouvez dans le Home. Alors là, on va pouvoir faire un petit CLS. On va avoir l'histoire de travailler sur du propre. Et on va pouvoir éditer notre premier programme. Que je vais appeler euh, test. Ou plutôt, euh, je vais l'appeler tuto2.lua. Voilà, je suis dans mon programme. Je rentre ma première variable. RS est égal à composant redstone, c'est-à-dire qui est égal à ma carte de redstone. On peut mettre des espaces. On peut mettre des annotations. Par exemple, là. Un exemple, hein, tout bête, voilà, j'ai deux petits traits. Et puis derrière, je marque comme quoi je vais chercher la carte de redstone. Ça s'appelle une annotation. C'est tout simplement pour faire des repérages. Donc maintenant on a nos deux lignes. On a nos de deux lignes de code, c'est-à-dire rs.setOutput et la deuxième, rs.getInput. Voilà. Ça, c'est nos deux lignes de code. Ces deux lignes de code-là, moi, je voudrais les mettre en pratique, de telle sorte que quand j'allume le levier, ça allume la redstone derrière, et quand je coupe le levier, ça éteint la redstone derrière. Et pour ça, on va créer un petit code avec une condition. Et la condition, ça va être si le signal de redstone du côté ouest est égal à 15 alors tu mets un signal de 5 du côté est et pour ça il existe une fonctionnalité très simple qui est justement la commande si qui se traduit par if rs get input side.west est égal à double égal parce que c'est une égalité qu'on recherche 15 zen c'est à dire tu fais un RS rs.7 side point east virgule on le met à 5 parce que vous allez voir qu'après on pourra le changer et lui mettre le choix qu'on veut par contre il va falloir lui mettre une condition si on veut parce que là, on, la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est allumer la lampe, mais après on ne pourra plus l'éteindre. Et moi, ce que je voudrais, c'est quand on l'allume avec le levier, ça s'allume. Et que quand il n'y a plus le signal, ça s'éteigne. Donc, on va lui mettre une condition. Et cette condition, on va l'indiquer par else. Else, ça veut dire sinon. Voilà. S'il n'y a aucune des conditions qui sont respectées, eh ben, tu fais un RS.SETOUT. Side East 0 pour dire qu'on éteint le signal de Redstone et on n'oublie pas de fermer la boucle par End. Alors là, vous pouvez voir que le code n'est pas très propre. Pour faire quelque chose de plus sympathique, généralement, moi ce que je fais, c'est que je vais laisser la condition et ensuite, ici, ce que je fais, c'est que je le remets à la ligne avec une petite tabulation. Et je fais la même chose à cet endroit-là, ce qui permet d'avoir un code un peu plus propre. Et ici, ce que je fais, généralement, je mets la fermeture de la boucle ici. Ce qui fait qu'après là, on a notre condition qui est là. Enfin, du moins, on a, oui, on a notre condition qui est là. On réalise ce qu'on veut faire par rapport à cette condition. Et là, on a l'inverse de notre condition. Et on réalise ce qu'on veut faire si la condition première n'est pas respectée. Et là, on ferme simplement la boucle. Le problème, c'est que là, si je réalise mon code, enfin, du moins, je vais faire ça. Je vais enregistrer mon code. Je vais euh, le sauvegarder. Maintenant, si je tape mon code, tac. Vous pouvez voir que là le signal s'est mis à 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, si je coupe le signal, hop, je retape mon code, le signal s'est totalement coupé. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant ce qu'on peut faire, vous pouvez voir que maintenant l'avantage c'est qu'on peut faire l'inverse. Exemple, je vais éditer mon tuto. Et on va lui dire que si on met un courant, eh ben, on coupe le signal derrière. Et que si on coupe le courant, on met un courant derrière. On sauvegarde tout ça, on ferme ça. Et là, vous pouvez voir que le signal, il est coupé ici. Et ici, on a une alimentation à 15, parce que j'ai décidé de lui mettre une alimentation à 15. Si je coupe mon signal de redstone, je fais la même chose, je relance. Et là, vous pouvez voir que mon signal de redstone, il est coupé. On va voir une dernière petite chose. Bon, la vidéo va peut-être être un peu longue, mais je voulais quand même la porter parce que je sens que vous allez sûrement poser la question. Je sens, je le sens. Alors, on va le même. Je vais, je vais en parler tout de suite dans cette vidéo. On y reviendra dessus. On reviendra là-dessus, mais je vais quand même en parler dans cette vidéo euh, sur la boucle parce que là, vous l'avez vu. Hein euh, vous l'avez très bien vu, lorsque je lance mon programme, enfin tu vois quand j'active mon levier, là vous pouvez voir que maintenant si je fais ça, il n'y a rien qui se passe, et là il n'y a rien qui se passe. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on a fait un programme tout bête. Euh, on lui demande même pas d'attendre une action, on ne lui demande rien du tout. La seule chose qu'on fait, euh, c'est euh, bah, en fonction de ce qu'il reçoit comme signal ici, au moment d'exécuter le code, il va créer ce qu'on veut derrière. Et je vais vous donner la petite astuce qui fait qu'on arrive à faire un système qui soit opérationnel sans qu'on ait besoin de retaper le code. Pour ça, il suffit de faire ce qu'on appelle une boucle. Une boucle, c'est quoi bah, C'est tout simplement un code qui va se répéter, se répéter, se répéter en boucle. Et pour faire une boucle, il bah, n'y a rien de plus simple. Pour ça, il vous suffira de taper Will True Do. Ce qui veut dire comme ça, bah, si la condition est vraie, tu exécutes ce code-là. Et après, vous fermez la boucle. End. Voilà. En fait, vu que la condition est toujours vraie, il n'y a absolument rien qui va la changer, eh ben, la boucle elle va constamment se faire. En fait, quand elle va arriver là, hop, quand elle arrive ici, elle revient en arrière. Et elle refait une boucle permanence. Par contre, une chose essentielle, quand vous faites une boucle comme ça, toujours rajoutez un euh, timer. C'est-à-dire que si vous le laissez faire ça comme ça, il va exécuter 20 fois l'action. Euh, en une seconde et là vous allez faire laguer votre map, vous allez faire laguer votre jeu donc pensez à rajouter toujours important un petit un petit os slip. Généralement d'une seconde, c'est très bien. Le chiffre derrière correspond au nombre de secondes. Ce qui est très bien parce que ça lui permet de faire une pause d'une seconde à chaque boucle. Après, en fonction de votre code, vous pouvez faire une boucle plus longue, voire une boucle plus courte si vous avez besoin. On pourrait même mettre 0,5. Ce qui ferait que le code serait exécuté deux fois par seconde. Ça passe encore. Donc si je fais ça maintenant, là vous allez voir qu'on va avoir une boucle. Voilà, maintenant on a une boucle. Et vous pouvez voir que là le signal est allumé, ici c'est éteint si j'éteins, le signal s'allume derrière je peux hop, le rallumer le signal va s'éteindre derrière là on a fait une boucle et notre code bah, il fonctionne il fonctionne en boucle tout simplement on peut faire ça autant de fois qu'on veut tout simplement. Pour pouvoir sortir du programme, parce que là maintenant vous pouvez voir que bah, j'ai plus mon curseur, je peux plus rien faire, je peux taper sur mon clavier, rien ne se passera. Si je veux sortir de ce programme-là, de ce mode de programme-là, je n'ai pas besoin de redémarrer. Vous n'avez pas besoin de cliquer là, ça sert à rien, parce que si vous cliquez là, vous éteignez l'ordinateur, vous le rallumez. La chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement appuyer sur les touches Ctrl Alt C. Le fait d'appuyer sur Ctrl Alt C, ça va interrompre le code, ça va casser le code, tout simplement. On peut voir que euh, ça casse le code et puis ça crée simplement une erreur. Le fait que ça crée une erreur, c'est pas bien grave. Le principal, c'est que le code soit cassé. Et l'avantage, c'est que vous gardez vos raccourcis. Vos raccourcis sont toujours là. Euh, donc euh, par exemple, si je veux rééditer rapidement mon code, il suffit d'aller hop, d'aller dans mon code. Et je peux rééditer rapidement mon euh, raccourci. Euh, voilà, ce sera tout pour cette deuxième vidéo de tutoriel qui j'espère vous aura permis éventuellement de voir et de comprendre comment fonctionne. Les bases, c'est vraiment les bases. Pour tout moment, on est dans les bases. On, on approfondira bien plus tard. Là, on est dans les bases. Euh, sur ce, le code sera disponible dans la description sur un PasteBin. Vous pourrez le télécharger pour vous amuser si vous voulez essayer. J'essaierai aussi de rajouter des trucs intéressants. On verra ça pour les prochains épisodes par rapport à des pastubins, je sais pas trop quoi. J'ai des idées qui me viennent en tête, il faut que je voyais, il faut que j'y réfléchisse, voir si c'est faisable. Euh, tous les liens seront dans la description, le lien pour le, pour le site pastebin, le lien pour le télécharger Notepad++, vous aurez tous les liens en description, euh, tout ce que j'en ai fait là, enfin bref, tout ça, tout ça, dans la description, comme d'hab, enfin bref, euh, voilà, voilà. Et sur ce, euh, je vous dis rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao <music>